Là, c'est la vidéo-vlog, tu vois. Là, je commence comme ça, tu vois. Premier vlog au 105. Pas des moindres, parce que aujourd'hui tout est blanc, tout est neuf, tout est beau. On va venir tout salir. Non mais on a acheté de la peinture et là notre mission d'aujourd'hui c'est de peindre l'open space parce qu'il est trop blanc. Sachez qu'on a aucune compétence, on n'a jamais fait ça. On allait dans le magasin de peinture déjà sans savoir quelle peinture on allait acheter. On a choisi chacun une couleur. Celle-là on aime bien. On a beaucoup de couleurs et on sait juste pas encore quel mur on va faire. Mais à savoir que le vendeur en plus il a dit vous avez pris des trucs par hasard mais ça va super bien ensemble. Ouais, il nous a félicité pour nos choix. Bon là on est heureux. Et le métro avant il était là mais on trouve qu'il sera plus en valeur ici. Moi en fait j'aimerais qu'on peigne ce mur, j'aimerais qu'on peigne les poutres, c'est tout mais on voit. Moi et ce que je trouve une super bonne idée, c'est ce que t'allais dire, les encadrements de portes. Les encadrements de portes. Moi je sais que mon studio du coup, vous me connaissez peut-être pas mais ma couleur c'est le violet, je vais faire mon encadrement de porte violet. Moi, toi Camille, bien tu rose. Vois ton stud, voilà, tu vois des couleurs qui vont et en et déjà j'ai spoil une couleur qu'il y a dans mon stud parce que dans le fond on voit qu'il y a du rose justement. Et Guizy du coup voilà. Ça sera couleur merde je crois, par rapport à ce que tu fais et tout. Du coup la première chose à faire déjà c'est de protéger les lieux, de coller le scotch là, le gaffeur de plainte. Non gaffeur mais Camille il a pas les termes. On m'appelle pour mettre un gros pouce bleu cette vidéo. Ah j'avoue, mettez un pouce bleu. C'est fou. Mettez le pouce bleu maintenant parce que si au moment du reveal c'est de la merde, au moins vous avez déjà mis le pouce bleu. Et sachez que ce vlog sera sûrement en plusieurs parties parce que on va recevoir plein de meubles pour l'open space. Je vais le mettre dans cette vidéo comme ça vous aurez un vrai rendu final. En vrai ce serait vraiment stylé de faire ça hein, Camille. De faire comme ça et l'autre côté qui descend. Bah en vrai je peux le faire, ça regarde off. Non pas la main, non. Non en vrai tu le vois en droit ou en vague un peu. Non droit. Ah moi j'aurais bien aimé vague mais... Non mais les gars en vague je suis pas casse pas la démarche comme ça. En fait le seul truc c'est que vague, il faut qu'on sache faire la vague. C'est pas précis en plus, en fait le bord de la vague ça va pas être précis. Non mais tu regarde, tu traces. Enfin après c'est pas bricoleur ici en même. J'avoue que t'as bien mal. Il a une lettre cassée, il a dit écoute-moi. On fait une vague, si jamais c'est un échec, on pourra. On fait un trait droit. Voilà, oui. On pourra rebondir, tu vois. Ah non, c'était dans l'autre sens la vague. Quoi? Oh, j'aime bien. Oh, elle est parfaite. En plus, t'as bien fait en dessous de la brise, en fait, on va se faire chier. On achète dans la cour dans un truc, j'ai mon truc, c'est pour. Je suis comme ça, mais il faut un truc par couleur. On en a acheté, non? Des trucs comme ça? Mais oui. Mais je me rappelle même pas qu'on en a pris. Spoil, je pense qu'on les a jamais achetés et que... En vrai, le truc de la peinture, c'était là que Sarah l'a désigné. Mais non, là, c'est la peinture loisir. Nous, les stocks de peinture... peinture loisir. Donc on en a qu'un. On va acheter ces bacs et on commence après. Allez, ouais, tout ça en voiture. Heureusement, j'ai mangé deux paquets de Pépitos ce matin. Ça n'a aucun rapport. C'est parti. Il est enfin magnifique, le jaune. Waouh. C'est satisfaisant. Instant ASMR. Bah vas-y hein, je fais le premier trait. Bon en vrai je pense que tu devrais le faire pas avec le rouleau mais avec le pinceau. Là faut que tu fasses des vrais traits là. Faut pas que tu sois sincère avec la peinture. En vrai tu fais ça bien pour l'instant. Mais oui. Allez, il m'en déjà. Mais non en vrai. Non en vrai le trait il est bien droit et tout. Donc tu fais un trait un peu comme as. Après tu remplis vertical, horizontal. Par contre, Camille, t'as plus de respect. Tu peux commencer comme ça. Non, mais t'inquiète. Les gars, c'est stylé ce qui se passe par contre. En vrai de vrai. Genre, ça y est. En vrai de vrai, c'est trop bien. Là, ça y est, ça devient vraiment chez nous quoi. Exactement. T'es très mal parti, tu sais pourquoi? Parce que t'as commencé là la ligne. Et là, à chaque fois, tu reprends. Mais oui, mais parce que j'arrive. Reprends là, c'est ici. Reprends bien proche et reprends juste la ligne. Attends, regarde. Prends du recul sur ton œuvre. Ouais, putain, j'avoue. Voilà, là, tu prends juste le plat. Voilà. Voilà, là, c'est bien. Là, c'est très bien, Camille. Parfait. Très bien. Tu veux que je fasse? Parce qu'en vrai, j'aurais rien fait sinon. Ça, on s'applique vraiment, quoi. Mais ouais, c'est un bel environnement de travail, quoi. Si vous voulez des conseils, on a Valérie D'Amido en personne. En vrai, ça va, ce qu'on fait, c'est bien. Les lignes sont propres, il n'y a plus qu'à continuer. Tu vois, au final, on sait bien le faire nous-mêmes, les gars. Oh. Ah, vous voulez que je continue au crayon ici, un truc? Bah, attends, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue en jaune ici? Oui. En vrai, ouais, pourquoi pas? Moi, je trouve ça cool. Et est-ce que là, du coup, on fait une vague qui continue plus vers le bas? Dans tous les cas, faut enlever les manteaux avant de peindre, je pense. Bon, on passe par-dessus. On passe par-dessus. Ah, putain, ça y est, il est parti en. Non, ça y est. Non, il non, comme ça. Quoi. Non. Moi, j'aime bien comme ça. Regarde, en fait, si tu suis. Ah, tu veux créer une dynamique. Ouais, ouais. Exactement, tu vois. En fait, depuis qu'il y a eu les travaux à l'appart, on a juste pas du tout. Pas du tout nettoyé. Tu es une grosse merde. Des grosses merdes. Hop là, ça c'est beau, ça c'est des détails. Je zoome pas trop. Et voilà, donc première couche finie. Regardez, moi j'adore ce point de vue. Ah ouais, ça tue. Ça y est, on vient de faire la deuxième couche.
C'est propre en vrai. Et là, on fait les encadrements de porte. Encadrement de porte, donc on a violet de ce côté pour le studio de Raph. Ça, là, c'est le studio de Camille. Non, là c'est les WC. Je pense là on va mettre le vert pâle parce que bleu je trouve c'est trop proche de violet. Et côté salon, on a décalé les meubles, on va faire des vagues sur ce mur en bleu pastel. Genre là qui font ça un peu comme ça, vous avez capté. Oh pardon. Voilà, petit vert, j'ai fait le violet le vert, maintenant je vais passer au rose. Ça fait très gris vert et... Oh j'avoue. Vert et violet. Mais même avec le jaune, les vagues et tout, on dirait qu'on a fait un centre aéré. On dirait pas qu'on est sur le plateau de In the Boîte. Oui. La messe, Alex. Tu t'en sors là pour le lavage? Viens me filmer ici, gros, je suis en train de branler pour le nettoyer, gros. Regarde comment ça change rien. Regarde tout le jaune qui sort. Mec, je suis en train de traire une vache. L'implication de cet homme dans la peinture du studio est surpris incroyable. Carrément, gros. Il est imperturbable. Mais oui, c'est il est imperméable, ce gars. Au-dessus de lui, en train de lui envoyer des petites gouttelettes roses et... C'est vraiment possible de laver ce que je lave? Tu crois que tous les peintres rachètent tous les jours des rouleaux? Non mais fais ce que tu peux et voilà. Putain, mais le proprio, il est d'accord avec ce que vous faites? Oui, il nous a dit vous faites ce que vous voulez. Il aurait peut-être pas dû dire ça à vous, par contre. Ah oui, peut-être pas. Par contre, ma mère, toi, tu fais des trucs super cool, tu vas mettre la bande la prochaine. Super cool. J'ai ouais, super mal au bras à force de l'avoir en l'air. Mais toi, ouais, c'est quelque chose qui se voit, moi, j'ai fait des contours, ouais. Le gars, il est chez le barbeur. Je quitte le 105 et je casse le bail. Oh non, mais on vient d'arriver. Les gars, je casse le bail, c'est moi le bailleur. T'es fatigué? Ah, c'est ce que j'allais dire, Alex. C'est bien collé hein, le ruban bleu là parce que quand on va l'enlever sinon on va avoir des surprises hein. Oui mais il y aura 2-3 surprises. Évidemment que ici il y a un espace entre la poutre et le scotch. On va rien dire. Au moins on l'aura fait nous-mêmes. Ouais. C'est pour quel mur la sauce tomate là? Tu rigoles pas vraiment et... Super drôle. Moment technique, attention. Évidemment que je déborde. Et après. Ah tu vas avec les doigts carrément. Et bim. En fait j'avoue quand j'ai pensé qu'on allait faire la peinture, je pensais que ça allait être 90% de temps de peinture et 10% d'install, de changement et tout, tu vois. En fait c'est l'inverse. Là j'ai l'impression d'avoir passé 80% du temps à installer des scotchs. Ça y est quoi. Ils vont avoir des chaises au lieu de ce genre de trucs. Elles sont déjà presque montées, regarde. Bon, je me suis changée parce que j'avais super chaud. Moi, là, ma mission, c'est monter les chaises de bureau qu'on vient de recevoir. Ici, il se passe quoi? Là, c'est bordure de porte, là, encore. Ouais, on là, veut délimiter de les port. Espaces. Et la première couche du bleu réalisée par Gigi. Voilà. Il est beau, putain, en vrai, il est trop beau. On dirait vraiment une chambre d'enfant, de bébé. Par contre, t'as testé un truc au rouleau, là? Mais t'inquiète, hein, j'ai vu que ça fonctionnait pas. Ah du ouais. Du coup, je crois au pinceau. T'es dedans là? Ouais, bien sûr. Moi, peut-être un peu moins. Donc, attends de visser. Et sinon, regardez, on a fait un mur vert là-bas. Enfin, juste l'encadrement de la porte vert. C'est beau, hein? Je ne trouve pas le trou de base. Mais vas-y, tant pis. Oh putain, je suis pas dans le trou, mais vas-y, tant pis. Attends, mais l'open space il est quand même grand. Pourquoi on l'a fait passer par dessus la table comme ça? Je sais pas, y'a pas de place. Regarde le bordel que c'est autour. Moi je trouve ça va. Hein. Moi j'ai juste peur pour le Mac là. Bien sûr. Ok, voilà. On a été pessimiste. Ah, attention! Oh la caméra. Là c'est un entrepôt de chantier. Oh, mais là, le fond derrière toi il est scandaleux. Regardez là, il y a Raph qui vient de finir les chaises. J'étais pas du tout tout seul, hein. On a fait ça tous ensemble. Ah oui, c'est vrai. C'est Camille, regarde qui a fini les. Non, par contre, tous ensemble sauf Camille. Bon, et vous venez de vous installer, vous vous sentez comment là? Mec, c'est le bien, ma scoliose est soignée. Je viens de mettre notre frigo en vente, ainsi donc, que le canapé. Si vous voulez aller acheter le frigo et le canapé, rendez-vous où? Sur le Bon Coin, mais cependant, j'espère qu'ils seront vendus avant ce vlog, parce que là, dans quelques jours, on va avoir tout simplement des nouveaux meubles. Donc on n'a pas trop l'espace de tout garder. Voilà. Il est 19h, je pense qu'on a fait toute la partie peinture, genre je pense que là, la prochaine step c'est les meubles, mais qu'en peinture on est carré, on a fait deux couches partout. Et maintenant, on va faire un truc extrêmement satisfaisant, c'est retirer tous les scotchs comme ça pour voir si on allait passer ou pas. Et je commence de suite, ça va être
Oh, oh tellement ça. Ah non, ça va, il s'est déchiré, j'ai eu trop peur. T'as cru que c'était la peinture qui était jusque-là? Non, non, non. Venez, on laisse l'interrupteur comme ça, tout jamais. Non, non. Oh, putain, mais ça va être chiant, lui, du coup. Attends, 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 parce que avant. Parce que tu sais, ça se trouve, tu vas casser la peinture et ça va partir. On a juste un coup de cutter autour, là. Ah, ouais, des vrais strates. Ah, t'as mis deux épaisseurs, genre? Non, le gars en avait deux. Oh, oui. Oh, wow. C'est. Faut prendre là, voilà, ça, là. Trop beau. Bah, vas-y, hein. Tu peux tout faire, hein. Y'a quoi là? Là, sur le côté. Il y a peut-être un peu de peinture blanche. Regarde, on a arraché la peinture blanche qu'il y avait dessous avec notre scotch. Vas-y, moi je vais enlever les bleus là. Oh putain. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Mais c'est la peinture blanche. Par contre, vraiment clean, hein. Franchement, il était très bien. Très franchement, bien. Il est bien mis. Oh, c'est incroyable. Oh là là, ça rend trop bien. Oh. Vert, jaune, rose, tout ça là. Dommage, c'était tout clean. Il n'y a plus rien, get. Toute la peinture est là-dessus. Bonjour les amis, deuxième jour de travaux pour l'open space qui est notre gros chantier. Et aujourd'hui, c'est déménagement vibes. On vient de récupérer notre camion. La mission d'aujourd'hui, c'est d'aller à Electro-Dépôt parce qu'on a commandé en ligne tout ce dont on avait besoin. Tout ne passera pas. Ah ouais, tu penses? À mon avis, on va faire deux allers-retours. Ouais, ouais. Vous pensez que tout passe pas dans le camion qu'on a pris? Continue ton vlog dans la voiture, au moins on y va. Ok, ah, oui. D'accord. Du coup, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que là, nous allons à Electro-Dépôt pour chercher plein de choses. Là, Electro-Dépôt, ils nous mettent vraiment bien. On a pris plein de trucs, dont un truc extrêmement stylé pour l'open space, qui n'a pas vraiment d'utilité. Par exemple, on a un frigo, une machine à laver, enfin, vous voyez, des trucs utiles de la vie. Et en plus, on a un truc très encombrant, mais très très stylé. C'est vrai que c'est très encombrant. Que j'ai hâte de vous montrer. On n'est pas bien là, tous les trois, dans ce petit camion. Mais c'est moi qui conduis. Pour des questions évidentes de sécurité. Parce qu'on peut mettre un replay du... C'est le rétro. C'est le putain de rétro. Bon, on y est. Ouh, bleu. Ouh, la police. La police entrée. Du dépôt. Attends, attends, attention. Bah oui. On fait 1m90, les gars. Non. Regardez comment on passe. Ah oui, t'as vu, je te l'avais dit que ça passait. C'est vrai, moi aussi, j'avais dit direct. Putain, mais Camille, mais en même temps, il nous fait jamais confiance. Est-ce qu'on va trouver un one shot comme la dernière fois? On dit que Anna ou Jérôme? Bah, comme vous voulez. Bah, on demande à quelqu'un de random. Hein. Là, il y a quelqu'un. C'est sûr, c'est Jérôme. Non. On décide de te. Ah putain, on aurait dû prendre une trottinette. Deux trottinettes, on se serait fait des courses tard dans le. Oh, ça aurait été incroyable. Je crois qu'on a une barre de son aussi, un grille-pain. Enfin, tu sais, on a plein de petits trucs un peu random aussi. On a pris des poêles, des faitous et des casseroles. Hâte que personne les utilise le midi pour cuisiner au studio. Ah, oui. Et bah, let's go. On va y aller, je vais charger. Putain, on va meubler le 105 les amis. Ça y est. On fait le frigo avant et après on pourra mettre deux trois trucs. Ça va, il fait que 91 kilos. En vrai, on a réussi à porter la devanture du métro. Hein. Oh, c'est pas lourd. Ouais, oula, bah, oula. Bah essaye de pas le caler. Hein. Ah, il va le tomber avant même qu'il arrive au studio. Il va le faire tomber, Camille. Moi je dirige le chantier, vous voyez. En vrai, on va se mettre bien dans le salon là. Mais l'écran il est énorme. 4K UHD, 58 pouces, c'est énorme. Et ben on va faire le premier trajet et puis. On va le temps qu'on décharge 5-6 minutes. A tout à l'heure, merci beaucoup. Du coup, on n'a pas pu tout faire entrer dans le camion, mais on fait le premier trajet avec quand même la majorité des trucs. Et on revient juste après. Bonjour, dis-moi. Tu m'as dit que t'es un youtubeur? Bah, c'est possible, il y a lui, elle et moi. On est trois youtubeurs pour le prix d'un. Tu veux faire une petite Salut. Photo avec qui? Avec nous tous. Avec nous tous, et ça te dérange un selfie voiture? Merci pas à vous. Soucis. Bonne Salut. Journée. Passez une bonne Salut. Journée hein, et vous aussi. Tu fais des dérapages ou pas avec tout ce qu'il y a dans le coffre? Ils t'ont vu? Oui. T'as fait un truc de dingue genre. Salut. Bon bah j'espère que vous êtes chaud. Hein. Tout n'est pas rentré donc on va refaire un trajet. Non, c'est une vanne. Là il n'y a pas la machine à laver, le lave-vaisselle. Ah j'ai oublié la peinture. T'as vu quand on rentre, on a oublié que j'ai oublié que t'es chaleureux. Moi j'ai vraiment pris les trucs les plus gros. Hein. Oh c'est si lourd. J'ai trop fait le mec. Sky, reste quoi Camille en gros? Le frigo. Ça goûte pire? Ouais. Moi pour l'instant j'ai rien porté, je m'en sors assez bien. Ça va ton sac à dos, il est pas trop lourd? Non, ça va franchement. Tu as porté le frigo? Attends. Moi je suis chaude de porter toute seule si vous voulez. Non. Je vais mourir écrasé contre le mur. Hyper nul comme mort. Est-ce que vous avez bien que nous aussi on participe? Bah non, non, non. À 3, on soulève, mais on soulève. Faites attention au plafond. 1, 2, 3.
On va arriver, je vais cabosser comme jamais. Putain, vous y êtes, les gars. Faut qu'on bosse sur ce côté-là et qu'il soit dans le couloir, debout. Ça va être dur, hein, attention. C'est surtout vous en bas, vous allez prendre cher. Ouais, je sais. Alex, tu veux que je prenne ta place? Ouais, je suis fou, hein. 1, 2, 3, levez devant. Voilà, montez, montez, c'est monter. Vous savez vers nous. Mais voilà. Waouh! Mais il passe même en hauteur de ouf! Mais oui! Là, il est, en vrai, stratégie 10 sur 10. Il a les roulettes là? Ouais! Non, t'as mis. Là, il est gars. Non! Je pensais que c'était pas mal. Ah oui! Il est trop beau! Ça, c'est un rêve de vie! Ça, c'est trop bien! L'ancien, c'est un mini Moïse. Un tout petit truc comme ça, VS. Je vous annonce qu'il y a un deuxième. Oui, non, on y va direct. Ouais, allez, let's go! Les amis, on a fait le deuxième trajet et on a reposé le camion, enfin on l'a rendu. Et tout ça dans les temps. Moi aussi j'en veux une. Ah ouais, moi aussi en vrai. Toi tu touches pas. Toi, oh, ils sont si frais. On peut voir des images de toi qui montent les trucs. Bah non, parce qu'il y en a pas. En vrai, j'ai fait une partie très chiante qui était la logistique du bail où moi j'ai mesuré tous les meubles pour être sûr qu'une machine à laver, un lave-vaisselle, ça passe côte à côte ici, que le four, on puisse l'encastrer là. Du coup là, bon, on va manger, mais avant je vous montre un peu tout ce qu'on a. Ce magnifique frigo américain. Avec le petit truc d'eau. Oh, les gars, on l'a pas encore ouvert le frigo. Oh, il est immense. On a des plaques. Alors ça va être... Ah, c'est du induction. Oui. Non, mais alors parce que j'ai pris induction. Vitre céramique, c'est bien, mais ok. Induction, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc électro-dépôt. Un petit aspirateur. Ce qui est bien parce que jusque-là, on n'avait pas encore. Enfin, on avait un aspi, mais il est dead. Non, tu ne parles pas si mal de mon aspirateur. On a bien évidemment une machine à laver qui fait aussi sèche-linge. Et c'est quoi ça? Ah oui, le lave-vaisselle. Les gars, il n'y aura plus besoin de faire la vaisselle. C'est genre fini. Regardez-moi cette cohésion d'équipe là. Que des petits culs qui dépassent. Regardez ce que je vous amène. Coucou beauté. Mais là le glow up il est... On passe du coq à light en rien en moins de temps. Putain. Putain, tu l'as dit Bouffy. Vous m'avez angoissé en deux phrases. Bah toi tu nous angoisses à rien. Toi tu regardes. Oh, je vais aller dedans. Oh, ah elle s'est éteinte. Oui, on l'a niqué. C'est vrai? Bah oui. Ah oui, bah oui. T'as juste à la visser. Ah. Non, arrête, touche pas. Hein. Mais non, mais si, t'as juste à viser. Vas-y, allume en vrai. Ouf. Éteins, là, votre ami. Là, va éteindre. C'est la GoPro. Vas-y, retest. Ah. Allez. C'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'il faut brancher ici, là. Ah oui, pour faire sortir. Et il fait que sortir. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ah. Oh putain, bien joué. Oh là là, Sarah la boss. Sarah la boss. Putain, c'était en caméra, ça. Big up à Sarah. Je galère sur le tu comprends pas la batterie. J'ai pas envie de lire la notice parce que ça va être trop long. Tu sens que t'es plus forte que lui. Je comprends l'idée, tu vois. Oh putain, elle l'a fait. Oh damn. T'es heureuse. Ouais, de ouf. Ça se voit. Oh, c'est carré, hein. On peut mettre un pouce bleu. Mais regardez. Il y a le pouce bleu. Il y a le pouce bleu juste là, mais c'est incroyable. Ça, ah ça ouais, j'avoue, ça tue. Là, on a 3 kilos de carton à jeter. J'en ai déjà marre. Dans une prise. Ah oui. Attendez, faut faire des bails d'électricité. Ah pardon. Aïe. Aïe. Ah, il y va le salopio. Il y va. Oh ah ouais, c'est game. Putain, il passe parfaitement. Alex et Alex. Ouais. On a des cadeaux pour vous. Oh, let's go. Il y a pas un c'est Inception les amis parce que putain, regarde, ouais, c'est ce que j'allais dire. Sur son écran, c'est nous d'il y a 20 minutes. Putain, oh, mec, putain. Je t'ai fait un plan. Ah, tu l'as suivi? Non, c'est L'écran! Il a fait tomber. Ah, mais c'est une blague! C'est tellement lourd que je profite de ce non, des c'est bras. Très lourd. Hein, tu peux juste faire. C'est vrai? Mais oui. Attends, mais il est si flex. Paired. J'ai mis la barre de son. C'est bien ou pas? Bah, j'y connais rien, mais en tout cas, c'est cool. Elle a décidé de l'ouvrir seule. Oh, j'en ai jamais vu une en vrai. Mais wesh, il est incroyable, c'est Star Wars. C'est Star Wars. Il est énorme. Et pourquoi ça s'allume ici aussi? Oh. Attendez, mais c'est incroyable. Oh, mais la qualité, elle a l'air folle en vrai de l'écran. Je teste un game direct, hein. Vas-y, je vais tester Top Race. Toi, c'était au-dessus, hein. Cam, t'es au-dessus. Ouais. What? Mais c'est incroyablement dur. En vrai, c'est dur, nous.
Je vais plus jamais travailler. Je suis vraiment fan. Elle est trop belle, elle va trop bien avec la peinture qu'on a fait et tout, je trouve.